Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va venir comparer tranquillement le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Fold 4, le dernier né de chez Samsung. Alors y a-t-il une réelle différence entre les deux ou c'est simplement une mise à jour par rapport à l'année dernière? On va aller voir ça tout de suite. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir pour la chaîne. Alors comme tu as pu le comprendre, on est sur ma droite sur le Galaxy Z Fold 3, sur ma gauche on est sur le Galaxy Z Fold 4. Je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Fold. Dans un premier lieu, on va venir comparer le design. Est-ce qu'il y a réellement un changement sur celui-ci? On va venir enlever la coque qui nous est gentiment offerte dans la précommande de celui-ci. À première vue, est-ce qu'il y a une différence entre les deux téléphones comme ça, si on les pose sur une table? Vous allez me dire non, ça se voit pas beaucoup, mais il y a quand même quelques petites subtilités sur ces deux téléphones qu'il y a en plus ou en moins dans l'utilisation de celui-ci au quotidien. Alors au niveau de la taille de celui-ci, est-ce qu'on est vraiment sur des téléphones avec une différence de taille vraiment surprenante ou pas? Alors sur le Z Fold 4, on est censé avoir un ratio d'écran qui est changé par rapport au Z Fold 3. Et est-ce que ça se voit au premier abord? Bah juste là, tu vois que directement le Fold 4 est vraiment moins haut. Ça se joue vraiment à vue de nez à 5 mm. Du coup, vu qu'on a 5 mm à peu près, hein, sa vue de nez en moins sur le téléphone, quand on tient le téléphone dans ce format-là, on a quand même un format qui se rapproche un petit peu plus que le format mobile classique que le Fold 3 qu'on peut retrouver juste ici. En restant sur l'écran en façade, on a l'écran qui est quand même beaucoup plus immersif sur le Fold 4. Il est beaucoup plus bord à bord que sur le Fold 3. Et ça, c'est beaucoup plus agréable dans l'utilisation de celui-ci. Car ici, sur le Fold 3, on avait quand même une grande barre noire inutile, inexploitée, qui perdait un peu le charme du téléphone. C'est pour cela que je l'avais choisi en noir, le Fold 3. Car avec les versions beaucoup plus colorées, bah, ça allait être beaucoup plus marqué qu'ici, il n'y ait pas d'écran. On peut voir que sur le Fold 4, on n'a pas du tout cette impression-là, même si on a un coloris gris. Alors sur l'épaisseur de celui-ci, est-ce que celui-ci est vraiment beaucoup plus fin que le Fold 3? Alors ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser. On va vérifier ça tout de suite. Franchement, quand le téléphone est en format tablette ouvert, on ne voit pas vraiment la différence de se jouer un micro-millimètre. Parce que franchement, il n'y a vraiment aucune différence de taille entre les deux. Pour continuer sur la dimension, est-ce que la charnière est beaucoup plus fine? Ça, c'est ce qui peut être intéressant, parce que sur le Fold 3, beaucoup me disent « t'as un parpaing dans ta poche ». C'est vrai que c'est un parpaing qu'on a dans notre poche, mais est-ce que c'est beaucoup plus fin sur la charnière? Alors franchement, allez regarder comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence réelle, mais c'est comme sur tout depuis le début, ça se joue vraiment à quelques millimètres, sans plus que ça. J'ai l'impression que Samsung, ils ont essayé de grappiller un petit peu plus. Comme ça, ils grappillent, grappillent, grappillent. Allez, dans 5 ans, on aura peut-être un téléphone fin à force de grappiller comme ça. Maintenant, au niveau du design sur les capteurs photo à l'arrière, bah, il n'y a pas d'inchangé. C'est la même chose. À la rigueur, sur le Fold 4, les capteurs sont quand même un petit peu plus gros. Du coup, ça se voit un petit peu plus que la partie photo est un petit peu plus grande à l'arrière de celui-ci. Petite remarque sur le fait que celui-ci, étant surbrillant sur les côtés, bah, ça laisse les traces de doigts, alors que là, sur la version matte, on n'a pas du tout les traces de doigts sur celui-ci quand on l'utilise. Maintenant, passons sur est-ce que la fameuse pliure ou le fameux trou au milieu du téléphone est à changer ou pas, ou c'est juste du marketing de Samsung. Hop, on va les ouvrir. Alors ça, c'est un téléphone que j'utilise depuis un an, mais vraiment au quotidien. Alors, est-ce qu'on a une différence? Si tu as vu ma vidéo de déballage, tu as pu voir que j'ai été surpris directement, parce qu'ici, on a vraiment une crevasse sur le Fold 3. Alors que ici sur le Fold 4, c'est vraiment beaucoup plus affiné. Elle est là, on la sent moins ou touchée, c'est vrai. Alors à titre de comparaison, on va dire que sur le Fold 3, on est sur un dodan classique que tu peux retrouver en ville ou dans un petit village de campagne. Et ici sur le Fold 4, on est sur un dodan qui est aux normes, donc pas trop exagéré, et qui est là, mais qui dérange pas trop, quoi. Tu le sens pas. Pour faire une autre aparté sur la charnière que j'ai fait tout à l'heure, le Fold 4 est quand même beaucoup plus dur à ouvrir. Je ne sais pas si c'est par rapport au fait que celui-ci soit neuf et celui-ci ne soit plus neuf, parce que vraiment celui-ci, j'ai vraiment presque plus aucune résistance sur le Fold 3 au bout d'un an sur celui-ci. Bon, voilà, ça revient pas, hein, mais c'est au ressenti, c'est quand même beaucoup moins dur que celui-ci pour l'ouvrir. Allez, j'ai l'impression d'ouvrir
le Mate XS 2 de chez Huawei qui avait beaucoup plus de résistance dans l'ouverture de celui-ci. Alors maintenant, passons sur l'interface. En gros, les applications, est-ce qu'ils sont mieux adaptés sur le Fold 4? Alors je vais te répondre que oui, sur le Fold 4, c'est beaucoup plus adapté sur énormément d'applications, mais j'ai envie de te répondre, c'est simplement une mise à jour logicielle qui va arriver sur le Fold 3. Comme par exemple la fameuse barre innovante pour l'utilisation du multitâche, bah, elle va clairement arriver sur le Fold 3, c'est sûr. Je te parle de la petite barre de tâches qui s'ouvre directement quand tu ouvres une application, qui va te permettre de venir glisser pour ouvrir du multitâche et ouvrir plusieurs applications dessus. Alors c'est vraiment très simple, tu arrives, paf, tu glisses. C'est beaucoup plus adapté que sur le Fold 3 où tu avais une barre juste ici que tu venais slider pour venir sélectionner l'application et après la remettre en plein milieu. Alors que là, c'est vraiment instinctif, celui-là directement en bas, comme si tu avais une barre des tâches d'un ordinateur Windows. Alors première application, on voit la différence. Par exemple, là, je suis sur TikTok. Tu peux voir que juste ici, tu as une nouvelle barre qui vient de se mettre, qui permet d'avoir des raccourcis. En gros, c'est la barre que tu as en bas sur TikTok. Normalement, maintenant, sur le Fold 4, elle se positionne juste ici. Sur le Fold 3, elle n'est toujours pas arrivée comme ceci, mais c'est simplement une mise à jour à mettre sur celui-ci. C'est comme sur l'application Facebook. Alors, on a déjà la mise à jour sur le Fold 3 avec une barre des tâches en haut à gauche qui enlève tous les boutons qu'on a en bas mais qui sont positionnés en haut à gauche. Alors maintenant passons sur une autre application, par exemple Snapchat. Est-ce qu'on a enfin un format normal quand on va prendre des photos ou ça va faire comme sur le Fold 3, c'est-à-dire là on est au format carré, est-ce que ça va prendre, en tout cas envoyer la photo au format carré comme on l'a juste ici? Alors je vais te répondre que bah non, ça n'a rien changé. En fait, ça va te prendre toujours au format de ton écran sur Snapchat. Mais petite particularité, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait la mise à jour sur le Fold 3, tu vas pouvoir passer sur un grand angle, un mini grand angle sur le Fold 4. Quand tu es en train de filmer, hop, hop là, on passe en grand angle sur celui-ci. Donc tu commences à avoir les possibilités de ton réel appareil photo sur celui-ci, sur un Android, donc c'est assez intéressant. Alors du côté de l'application Instagram, il n'y a pas l'air d'avoir de réels changements. Vu que le téléphone est un peu plus compact, dans la théorie c'est un petit peu mieux, mais ça ne se voit pas réellement dans l'utilisation. Parce que je trouvais déjà que l'application Instagram était déjà bien adaptée, sauf pour les stories, mais c'est quand même déjà correct. Après, on a d'autres applications tierces que peu de personnes peuvent utiliser ou peu de personnes utilisent. Par exemple, sur Discord ou Telegram, surtout sur Telegram, ça s'est remarqué avec les deux versions de téléphone, on a l'écran qui est séparé en deux avec toutes nos chats et toutes nos discussions où on parle. En gros, ici on a la discussion 1, discussion 2, discussion 3 et juste à notre droite, on a les messages directement comme on a sur l'application Messages de Samsung. Alors bien sûr, tout ça c'est juste des mises à jour logicielles à faire sur le Fold 3 ou sur le Fold 2 par exemple. Ce n'est pas une réelle révolution technique, hein, ça va arriver que les applications soient de plus en plus adaptées, surtout si Google sort leur téléphone, enfin leur téléphone Fold, leur téléphone pliant s'ils le sortent un jour. Alors sur les prochaines différences, on va partir dehors, on va aller tester directement la photo, la différence entre les deux appareils photo. Alors celui-ci, dans la théorie, il a toutes les dernières mises à jour, donc il est 100% adapté, il est au maximum de sa forme. Le Fold 4, bah, il est là, je te prends des photos avant la sortie de celui-ci, donc c'est possible. Que les photos changent car Samsung apporte toujours une mise à jour à la sortie de celui-ci pour corriger et affiner au fil du temps pour que tu aies au mieux des photos magnifiques. Alors là, je suis en train de filmer avec la caméra devant le téléphone et tu vois directement qu'il y a une différence franchement de couleur entre les deux, ça se voit à première vue comme ça. Alors bien sûr, c'est les micros des téléphones qui marchent. Dans la théorie, j'essaie de switcher entre les deux et on voit que sur le Fold 4, c'est quand même beaucoup plus bleu le ciel. Le ciel, là, non, le ciel, il est plus bleu comme le Fold 3. Ça vraiment, ça accentue la couleur. Et c'est un truc de ouf. Alors là, voilà, on marche. Allez, on a un petit peu plus de difficultés, beaucoup de trucs à gérer derrière. Alors là, on est en train de filmer avec les caméras frontales en 4K 60 images par seconde. Alors sur le Fold 4, on peut aller filmer jusqu'à 8K. Sur le Fold 3, on n'avait pas cette option là. Donc voilà, on va aller voir les petites framboises des bois. Ah, déjà, le Fold 4, il n'arrive pas à faire le focus. C'est pas très grave. Non, c'était plutôt le Fold 3, pardon, je me suis trompé. Est-ce qu'il gère les belles couleurs?
Ouais, l'autofocus sur le Fold 4, je trouve qu'il va beaucoup plus vite. Est-ce qu'on arrive à voir les distinctions en bas des cailloux dans l'eau? Ouais, ça c'est intéressant. Alors là, je me suis mis en vidéo en mode portrait, donc c'est-à-dire que ça va mettre un flou artificiel derrière moi, en gros un effet bokeh, et on va voir lequel gère le mieux. Alors bien sûr, je peux monter ou descendre le flou qu'il y a derrière moi, c'est logique, comme sur tous les téléphones Samsung, quand tu prends une photo en mode portrait, après tu peux gérer la profondeur en mettant plus de flou, voilà tout simplement. Alors est-ce qu'on est sur une réelle révolution entre ces deux appareils? Je vous laisse en juger actuellement avec les photos que je viens d'aller prendre. Pour cette dernière étape de cette vidéo, je vais te parler de l'autonomie, de la différence entre les deux. Je vois pas du tout la différence. Franchement, je tiens une journée sans plus que ça. Peut-être que dans les semaines à venir, mon avis va changer sur l'autonomie de celui-ci. Ou je vous inviterai à aller voir la vidéo sur le test de celui-ci, que je pense qui devrait sortir la semaine prochaine, dans la théorie, si je suis bon. Mais vraiment, au niveau de l'autonomie, on tient une journée si on joue au jeu et si on l'utilise vraiment aussi comme un outil de travail et pas simplement comme un téléphone. Je te laisse faire ton avis en commentaire sur ces deux appareils. N'hésite pas à t'abonner, à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Et n'hésite pas aussi à me poser des questions. Je me dis que je pourrais faire une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions techniques et approfondies sur le téléphone qu'on a juste ici. Allez, bisous!